C'est comme une araignée qui se cramponne à un fil de sa toile et qui ne voit pas les doigts qui la saisissent pour la mettre dans ma bouche. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue dans l'épisode 20 de The Evil Within 2. Oh, le mal dedans, avec les souvenirs du grand, du sol, de l'unique, Sébastien Castellanos. C'était donc ça, pour ceux qui ont vu donc The Evil Within 1, c'était donc un émetteur de champs stables. Peut-être. On ne sait pas. Kidman ? Vous êtes là, Kidman. Pour vous ? Toujours. Le STEM. Ça fait deux fois que ça échoue. Une machine qui vous envoie dans la tête des autres. Qui a décidé qu'on avait besoin d'un truc pareil ? Le Hentai ! Je veux pas savoir ce qui se passe dans la tête des autres. Une fois m'a suffi. Ruvik l'avait développé pour ses propres raisons déviantes. Mais Mobius a vu un potentiel dans cette technologie. Le potentiel d'asservir tout le monde, vous voulez dire ? C'est toujours mieux que de le laisser aux mains d'un psychopathe. J'en sais rien. Me dites pas que vous adhérez à cette idée d'humanité unifiée. Qui sait ce que Ruvik aurait fait si vous ne l'aviez pas arrêté ? Ruvik ou Mobius, dans tous les cas, personne ne devrait posséder cette technologie. Elle est trop puissante. Et on sait ce que ça peut donner. Je suis d'accord. Il nous reste donc... Rien pour moi cette fois-ci, hein ? Oh ! Chaton, je suis déception, je dois le dire. T'as été adorable le reste du temps, hein ? Toi et... Tu veux que je te suive ? Très bien, suivons le trou du cul modélisé du chat. Je sais pas pourquoi ils ont cru que c'était intelligent de le... Mais c'est Bug Dejda, donc on va pas se poser des questions et... Quoi ? Je dois m'asseoir dans cette chaise ? Wow ! Félicitations, Sébastien. Vous avez presque terminé ce voyage intérieur que vous avez entrepris il y a si longtemps. Vous avez affronté vos propres démons. Vous avez couru de grands risques pour sortir victorieux. Mais il y a encore un souvenir que vous devez affronter. Comment ça ? Tenez, cela vous sera utile. Marqué, c'est une diapositive de mon oncle. Il voulait que je m'asseye sur ses genoux. Oui, je l'admets. Eh ben super. Attends, juste avant... Bougez pas. Parlons à Tatiana. Hop. Vous n'avez pas bonne mine. Laissez-moi vous aider. Je sais très bien ce que tu pourrais me tailler à ma mine. Comment voulez-vous que j'aie les ongles parfaits si D'accord, vous... elle s'en fout. Ok, très bien. Oh ! Non, c'est juste une chaise roulante. Très bien. Non, tu te pousses. Allez, c'est mon bureau. Oui, barre-toi. Très bien. La dernière mémoire. La dernière diapo. Olé, olá. Ah ! C'est vrai. C'est vrai qu'on avait un petit peu oublié le pauvre Joseph. Décidément, les personnages d'origine asiate, ils en chient dans ce jeu. J'espère qu'il s'en est sorti. De mon souvenir, il était mort. Joseph. Mon partenaire. Mon ami. Sébastien ? Déjà de retour ? Que se passe-t-il ? Après tout ce temps, il y a quelque chose dont nous n'avons jamais parlé. Pas de quoi. De qui. Joseph. Je sais que le respect que vous aviez pour Joseph était réciproque. Je n'ai jamais eu l'opportunité de m'excuser pour ça. Les choses étaient... confuses après Beacon. J'aurais dû essayer de trouver des réponses après ce qui s'est passé. Je veux dire, je sais ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas, je ne vous blâme pas. Mais je continue de me reprocher sa mort. Vous n'avez
n'avez pas à le faire. Pourquoi pas? Vous préféreriez que je vous le reproche? Après tout, c'est vous qui l'avez tué. Il était zombifié. Non, c'est faux. Je vous ai vu lui tirer dessus, Kidman. C'est vrai, mais... Mais quoi? Joseph est vivant. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Non, c'est pas possible. Que lui est-il arrivé? Où est-il? C'est une longue histoire. Nous continuerons cette conversation plus tard, quand nous serons en sécurité. Sachez simplement que vous n'avez plus à vous reprocher sa mort. Je dois y aller, Sébastien. Finissons ça et nous parlerons plus tard. Ouais, on en reparlera plus tard, ça c'est sûr. Mais bordel de merde, personne peut rester mort dans ce jeu à la con. Lily, elle est pas morte, Mira, elle est pas morte, Tatiana, elle est pas morte, le chat, il me donne 2 bouteilles, ça c'est un très 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 bon chat, il aura sa pâtée ce soir. Voilà, merci. Joseph, il est pas mort, Kidman, elle est pas morte, Sébastien, je me suis tiré dessus dans ma tête, de moi-même, du passé, de dedans, le deuxième stem du premier stem, et je suis pas mort. Ruvik, il est pas mort, vu qu'il est parti avec Leslie. Hein, parce qu'on le voit venir à des kilomètres à l'infini, et toi, t'es pas encore morte. Putain, avec un peu de chance, 25% de chance de survivre, et le Black, il est toujours en vie. C'est dégueulasse. Enfin non, c'est très bien pour lui, mais c'est dégueulasse. Ça y est, vous êtes prêts? Pas encore. Pas encore. Ok. Mais tardons pas trop. Pas encore, parce que je ne me souviens plus si j'ai sauvegardé. Et je ne voudrais pas ne pas mourir en mourant, sans avoir sauvegardé. Gna gna gna. Que je pourrais me prendre un carreau d'arbalète dans la nuque pour, dans mon lit de mort, voir Kidman qui dit « Vous n'êtes pas mort, Sébastien. » Quoi? Mais j'ai pris un tuyau dans le cou. Vous n'êtes pas encore mort. Je vous ai caché. Ah bon? Ça y est, vous êtes prêt? Miséricorde, quoi. Gna gna gna. Enfin bon. La prochaine fois, je demande la pilule bleue. C'est bon, Hoffman. Allons-y. Ok. Je vous suis. Je vais devoir le faire fonctionner d'ici. Il devrait nous protéger du feu, mais il n'empêchera pas les créatures là-dedans de vouloir nous tuer. Pas de soucis, j'en fais mon affaire. Parfait! Allez, je croise les doigts. S'il y a des pompiers avec nous, ils doivent être en train de se frapper la tête du dos de la main. Parce que tu peux pas t'approcher du feu autant. Ça marche. Faites juste attention à pas sortir du dôme. Allons-y! Parfait! Le Thunder ne voit rien avec toutes ces flammes. Surveillez ces créatures et suivez-moi. Je connais le chemin. Je surveille. Elle a 35 balles sur elle. En voilà je une. Te vois. Oh. Je m'en occupe. Oh. Il a rien pu faire. À moi. Une autre. Faites attention, Hoffman. C'est votre job de le faire pour moi. Où ça? Très juste. Ils sont partout. Je te vois. Allez. Encore. Olé! Hola! Reload! Je te vois! Olé! T'es encore loin? Ça semble bien plus long une fois à l'intérieur. Il se démène pour nous empêcher d'entrer. Ça signifie bien qu'il nous craint. Parfait. Je doute par contre que le lance-flamme fonctionne ici, malheureusement. Ouh, encore du matos. Ne baissez pas les bras. Nous y sommes presque. Attendez! Le stabilisateur est déréglé. Vous pouvez le réparer? J'y travaille. À genoux!
Oh là 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 là, olé ! C'est moi ! Olé ! Je vais réparer. Allons-y ! On a échoué. Je vous avais bien dit qu'il était capricieux. Très bien. Elle a encore pas mal de balles à m'offrir. Encore une, très bien. Heureusement que je l'ai one-shot au pistolet parce que j'ai pensé à activer... Ouh, c'est bon ça. Attends, t'es déjà venu. Attends, Choupette. C'est l'occasion Choupette. Pour moi de me racheter. Non, Choupette. Ce que j'ai fait à Lily. C'est bon. Et à tous ceux que j'ai fait entrer dans le STEM. Donc non, je ne regrette rien. Rien de rien. Non. Nous ne regrettons rien. Où sont-ils? Là, j'en vois un. Oh. Oh, shit. D'accord, ça ne sert à rien. Wow. Merde, merde, merde. Situation qui dégénère. Ok. Il est encore en vie. Meurs, chacal. Putain, ça brûle. Oh, je l'ai pas vu. Il faut tenir. Oh, t'es kill là. Bonjour. Au revoir. C'est bon ça. Encore. Ah, raté. Trivialisé. Olé. Oh là. Putain, comme on est dans le warp. Avec un Psyker qui porte le Shangeller, quoi. Putain, la bannière de Shangeller. Alors attends, lance-flamme, ça marcherait pas contre eux, n'est-ce pas? Ça, c'est bien ça. On s'en sert pas assez, ça. Hoffman, qu'est-ce qui se passe? Il déconne encore. Attendez. Ah non, 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 il fait plus l'arrêt de déconner, là. Il commence à faire chaud. Ah, ah, putain. Oups. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Ça se gère. La fréquence. Non, non, pas ta pute. C'est bon. Ha! Les lois de la physique s'appliquent ici. On doit y aller. Tout de suite. Situation sans flamme. Ils nous poursuivent ardemment. Ah ah. Sadako, non. Je suis témoin. Allez-y. Sauvez Lily. Hoffman, non. Hoffman, j'avais pas fini ma thérapie.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'aurai pas à la payer pour ces sessions de psychologie. Je suis désolé, Yukiko. Il va nous payer. Je vous le promets. Bon. Après tout ça, il ne reste plus que moi. Mais il ne m'arrêtera pas. Il ne reste plus que nous deux. Le seul feu qui brûlera, ce sera les flammes de la vengeance. Du coup... une bouteille. J'entends des bruits chelous. J'entends des chuchotements. Tout ceci est plutôt inquiétant, braves gens. Bon, pour Hoffman, sans surprise. Sébastien n'a pas le droit d'avoir une waifu. Donc tant pis. Encore de la poudre, un peu de créatine. Oh, est-ce que je peux jouer de l'orgue, comme Ganondorf ? Non, tant pis. Je ne peux pas, alors continuons. Continuons d'explorer le lieu. On prend la bœuf et on prend le papier. Écriture de Théodore. Cette ville, Union, a un potentiel incroyable. Et Mobius le gâche. Ils ne comprennent pas l'ampleur de ce qu'ils ont créé. Imaginez, tout un monde de convertis. Leurs souvenirs réécrits et reprogrammés. Tous connectés à un esprit central. Le noyau. Mes ordres, voyageant à la vitesse de la pensée et acceptés sans réfléchir, je pourrais bâtir mon utopie spirituelle en quelques jours, au lieu de plusieurs décennies. Miséricorde ! Le mec, parce que c'est son projet, quoi. S'il devait se décrire, il dirait qu'il est jupitérien. C'est assez chelou ces espèces de veines sur le de veines à tentacules sur les colonnes, mais enfin bon. Vous êtes revenu, Sébastien Castellanos. Ouais, mais cette fois la donne a changé. Vous ne m'échapperez pas. J'ai un chargeur avec votre nom dessus. Je trouve juste, père Théodore, que vos arguments manquaient de poids. Il est temps de mettre un peu de plomb dedans. Ah ah ! Une salle et du matos. Voyons voir. Une pochette améliorée pour munitions de fusil d'assaut. Yay ! Je peux avoir maintenant plein de chargeurs, ce qui est une bonne chose. Des balles, du matos, du merdier. Une porte secrète fermée qui mène on ne sait où. Bonjour, vous ne faites pas l'illusion une seule seconde. Olé. Non, ils sont morts ? Non, ils sont morts pour de vrai, très bien. Très bien, très bien, très bien. Ils sont vraiment morts, non c'est bon. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc on a gagné du matos gratuit. Fleurie ! Il y a fort heureusement une salle interne avec, je l'espère, du stock médical à foison. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Miaou, miaou, c'est ça, chaton. Hop, voyons voir, fabrication. Alors, c'est là qu'on va s'amuser. Un chargeur de fusil sniper, toujours. Balle de fusil d'assaut. D'abord, on refait le combustible à lance-flamme. Parce que même si on s'en est pas servi, ça coûte pas très cher et c'est dommage d'en manquer.
Voilà, plein de balles. Toujours plein de balles. Oh, tu sais quoi? Ouais, non, on est bien. Et enfin, 127, ça fait beaucoup. Mais ça utilise toute la drepoux. Avant de faire la drepoux, on va utiliser les sables pour faire les carreaux explosifs. À fond, les carreaux. Et un carreau fumigène supplémentaire. Les seringues médicales, je crois que j'en ai dans la chaise à Tatiana, ce qu'on va aller vérifier. Hop là. Mais très bien. Détendez-vous, inspecteur. Que puis-je faire pour vous? Des milliards de choses, dit Tatiana. Malheureusement, aucune que la morale ne réprouve. À moi. Super. J'ai la gueule de roue. Hop. Balle de fusil de précision, balle de fusil d'assaut. Les carreaux sont faits, la seringue médicale. Allez, une de plus. Ça fait combien? 80? Non. Ça, ça fait 175? Non. 170? Non. Attends. Oui. Écoute. Et puis... Voilà, plein de chargeurs. Super. Je pourrais même améliorer un peu mes armes. Voir si c'est possible, voir si c'est jouable. Faisons ça. Faisons ça. 810 pièces détachées, effectivement. Le fusil mitrailleur. C'est vrai que je bouffe pas mal avec. Même si le fusil à pompe est bien, malheureusement, il coûte quand même très cher à améliorer. Quoique, non, seulement pour gagner 30% de puissance. Non, je préfère rester en mode coup critique. C'est plus intéressant. Par contre, ce fusil mitrailleur, si on peut le saucer... C'est vrai que 10% par 10%, c'est pas beaucoup, mais... On peut aller très loin très vite en fait. Voilà. Petite augmentation de la cadence de tir pour la beauté de la forme et le temps de rechargement, bien sûr, on n'y touche pas. Ça ne serait pas aussi. Ah non, merde, c'est le pistolet que j'ai augmenté. Ah merde, c'est une erreur de ma part. Ah bah j'ai de quoi. C'est bon, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Bon, j'ai augmenté la vitesse de recharge... Non, la cadence de tir du pistolet. Ce qui est pas plus mal. Ce qui est pas plus mal. Du coup, voilà. Très bien. Ok. Donc ça, c'est fait. Et on peut aller dans la pièce d'en face... Puisqu'on est hautement armé et très, très dangereux. Fleur, police! Oui, parce que je suis policier. Où y était? Mais bon. Moi, ça devient un temple maya. Qu'est-ce que c'est que cette phase-là? Vous n'y arriverez jamais. Comme la dernière fois que vous avez voulu la sauver. Vous rêvez. Vous ne m'aurez pas. Tu crois que tu peux m'avoir avec cette ancienne technique? J'ai joué à Super Mario 64. Tu ne pourrais pas m'avoir avec un escalier en colimaçon infini. Tout n'est pas Dio. Olé. Hola. Vraiment tes fidèles. Ils vont devoir faire face à une épreuve qui éprouvera leur foi. Allez. Trivialisé. Olé. Là.
Le rechargement tourbillon n'a plus de secret pour moi. J'ai le pouvoir rotatif de Jojo's Bizarre Adventure. Ça va? Prends-en du plomb! Du plomb dans la cervelle! De la graine! Oh là 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 là, moi j'aurais été lui! Ça m'aurait plu. Bien! Non mais c'est bien en même temps, il y en a qui vont dire c'est complètement pété, Bob! On est sur YouTube et c'est complètement OP, tu trivialises, fais oui! Mais nous sommes vers la fin du jeu. Sébastien a enfin fait son introspection intérieure. Là, c'est le héros qui a fait face à tous ses démons. Il a eu le pardon de sa femme. Il va sauver sa fille. Donc là, j'ai besoin que du pistolet 6 coups. Enfin, 7, parce que j'ai poussé très très fort la dernière balle. Voilà. Il a eu la transfo SSJ7, exactement. Il a le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de l'amour. Son meilleur ami robot vient de mourir. Il a été obligé de prouver son Indo. Merci. Donc là, il n'y a plus de limite, là, si vous voulez. Mais il n'y a plus de limite, tu vois. Il y a Athéna qui est sous les flots et qui n'a plus que 10 minutes à vivre. La planète va exploser dans 5 minutes. Il a découvert que son meilleur ami était encore en vie. Et que le grand méchant pouvait être vaincu. Qu'il avait le pouvoir de l'amour et de l'amitié en lui depuis le début. Que finalement son aventure, ce n'était pas le trésor qui compte, c'est les amis qu'il s'est fait sur la route. Non, cherchez pas. Cherchez pas. Cherchez pas. Tiens, je suis curieux. Essayons. Ah, bien ce que je pensais. Olé. Oula. Adios. Hasta la vista. Olé. Je déteste ce genre de mort, mais là c'était tellement stylé. Enfin, Lennon peut réussir des tirs de sniper sans danger, exactement. Non mais voilà. Il a découvert que Ginny l'aimait. Il a découvert le pouvoir que Voldemort ne connaissait pas. Aidez-moi à tirer Lily des griffes de Mira. Donnez-moi la puissance du noyau. Est-ce que tout le monde veut contrôler Union? Cette ville n'est même pas réelle. Elle est pourrie en plus! Union dépasse la réalité. Union, c'est Mobius. Leurs esprits y sont connectés. Contrôler Union, c'est les contrôler tous. Les contrôler tous, c'est contrôler le monde. Si vous pensez que je vais aider un connard dans votre genre à contrôler des connards dans leur genre, vous êtes encore plus perché que je le pensais. Je suis d'accord. Merci. La roue tourne, Théodore. Attends, branche-moi là. Lance-flamme dans le dos. Ça va, t'es bien, hein. T'as quand même un développeur qui s'est fait chier à te placer là. Et personne te remarquera jamais. Je te comprends. Olé.
vraiment du matos. Écriture de Théodore. Quand je serai devenu le noyau et que j'aurai construit ce nouveau monde à mon image, la réalité suivra vite. Mobius s'est déjà implanté dans toutes les couches de la société et ils ont été assez bêtes pour s'implanter des bombes à retardement dans la tête. Ils se prennent pour des loups et considèrent les autres comme des agneaux. Mais le berger, c'est moi, et je m'apprête à abattre le loup dès qu'il aura le dos tourné. Lorsque Union sera sous mon emprise, les jours de Mobius seront comptés. D'où Jésus ? Le mec est vraiment devenu un super vilain de jeu vidéo. J'aime bien comme il me donne des objets de soins. Encore un miroir. Écoute, je ne pense pas en avoir besoin. Mais ne soyons pas présomptueux. Olé. Hop. Et voilà. Quelqu'un sur le chat dit Bob, Théodore c'est un mauvais, il imagine même pas les élémentaires de feu sexy comme dans Skyrim. C'est vrai. Je te dis que si c'était un monde qui se baladait dans ma tête, ça ressemblerait pas à ça. Déjà, je rangerais les endroits, c'est-à-dire il y aurait des sections de ville différentes selon les zones. Et ensuite... Bah ça n'a rien fait. Alors, c'est bon. Voilà. Déjà, je rangerai les zones en section de ville. Et ensuite, j'ai envie de dire que 90% de mon cerveau serait 18 plus. Pour des raisons parfaitement évidentes. Blarg. Oh. Raté. Ouais, je peux l'utiliser contre toi. Ah, brûle. Brûlez. Et merde. Bon. Adios. Oups. Ouah. Oh. Oh là. Agro-grou. Ah merde. Double gros-grou. Double gros-grou, viens faire un câlin. Oh, j'avais encore un peu de tequila. J'ai dit, viens faire un câlin. Il est pas mort. C'est un problème. Allez. Oh là. C'était cool. Bon. Hop. Voilà, j'ai pas perdu de la vie. J'ai même pas perdu de la vie. Les bouteilles qui me rendent invincible. C'est garanti. Par contre, il doit y avoir un mécanisme quelque part. Une manivelle. Quelque chose. Et il me rentre de la poudre à canon. Bon, ça... C'est pas par là que je pénétrais, donc ça doit être par là. Ah. Merci. Il est formidable ce zombie. Ouloulouloulou. Alors eux, ça va être un autre type de problème. Réfléchissons-y. Allez. Yes. Enfin. Il sauce. Je pense pas qu'il puisse m'avoir d'ici, donc tout va bien. Et
et ça m'a permis de passer de l'autre côté du mur de flammes. Waouh, ils sont tout nombreux. Oh, ils m'ont pas vu. Oh les crétins. Si, éteins-toi. Oh, j'ai mis. Et voilà. Oh là là, ce surkill. Merci. Recharge. Hey! Oh la vache! Oh la vache! Un chargeur entier! D'accord. Note à soi-même, ce n'est pas aussi efficace que prévu. Blablabla. Très bien. le petit dab. Le petit pouvoir psychologique qui met le doute à Sébastien. Non, t'es mort, hein, on est d'accord. Et toi, t'es mort ou tu fais semblant? Tu fais semblant, hein. Non, il fait pas semblant, il est mort. C'est très bien, ça. En fait, ça a changé. Pour que vous fassiez le... Écoutez, juste petite explication sérieuse. Pour que vous fassiez le rechargement Sébastien ultra stylé où il fait rouler le pistolet, il faut d'abord que vous visiez avec gâchette gauche, puis que vous rechargiez. C'est-à-dire, si vous entamez l'animation de rechargement alors que vous êtes en train d'appuyer sur gâchette gauche, c'est-à-dire en train de viser, il fera le petit roulis-roulis. Vous voyez ? Donc là, je vise, je recharge, je lâche le bouton, et il le fait. Voilà. C'est pas vous rechargez, puis vous appuyez sur gâchette gauche. Non, c'est l'inverse. D'abord gâchette gauche, puis vous rechargez. Je transfère le savoir pour ceux qui veulent avoir le. Qui veulent avoir envie d'avoir le style. Olé. Ah ouais, j'ai pas appuyé, du coup il recharge normalement. Et c'est décevant. C'est décevant pour tous ceux qui participent. Allez. Fourier. Et voilà. Et bah alors, t'as l'air éteint. Bon. Et là, il y a un truc comme ça. Très bien, très bien, très bien. Je ne capte rien. Et apparemment, j'ai loupé une pochette de munitions. Aïe. C'est problématique parce que les pochettes de munitions, c'est intéressant. Backtracking, ça fait du bien. Surtout qu'il y a ce saleté de lance-flammes qui se promène là et... Aha ! Pochette de munitions pour pistolet, excellent ! Excellent, on l'a. Tant pis pour les clés, il doit rester des clés que j'ai ratées, mais je pense que j'ai largement assez de matos, tel que je suis là, pour au moins m'occuper de Monsieur Théodore. Il est où ? Rien là à droite. Rien de droite. Rien à gauche. À part des cadavres. Putain, c'est stylé. Waouh, les murs sont faits en cadavres carbonisés. Oh putain, et dire qu'il y a un dev qui s'est fait chier à modéliser ça, quoi. Et à le placer de manière à ce que ça ait l'air cohérent. On n'apprécie pas assez votre travail, les mecs, hein. C'est beau. Ça, c'est de l'art. J'avoue que Théodore, bon, je suis pas un nécromancien maître du mal, pyromage ou pyrobarbare ou tout ce que vous voulez, mais honnêtement, j'avoue qu'il a du goût. Pas forcément l'espèce d'aspect industriel, moi ça m'excite pas des masses, mais les mecs calcinés dans les murs et tout, ça c'est... Médiéval. Oh. Bonjour. Olé.
fond, fond. Oula ! Ah putain ! Bien joué ! Vite, vite, vite ! Oh ! Ah putain, y en a d'autres ! Recharge, recharge, cours, cours, cours ! Recharge, cours, cours, cours ! La bombe à prout ! Je peux pas le poignarder du cul. Ah, je le paye. Mais j'ai aucun regret. Recharge, 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 recharge. Olé. Oh là. Finalement, une situation qui s'est gérée. Malgré le fait que je manquais d'espace. Hein. Hop, merci. J'aurais pu fuir et utiliser l'environnement plus intelligemment. Il est vrai. Cependant, où aurait été le fun, les enfants? Où aurait été le fun? Rien d'autre, rien d'autre. Bon. Hop. Voilà. Recharge. Je vous offre une dernière chance de rejoindre le camp des vainqueurs de l'histoire. Je suis déjà américain. Sinon, vous resterez empêtrés dans vos propres tourments. Je ne ferai jamais affaire avec vous, l'ami. Ah, le point de résonance est au-dessus, d'accord, il est à l'étage supérieur, allons-y. Très bien, est-ce que je peux faire demi-tour? Non, ah si, c'est bon, ça c'est ouvert. On me dit, à ta droite, juste avant l'escalier. Où ça, où ça? Pardon. Où ça, où ça? Peut-être une statuette. Ah ah ! C'était donc à ma gauche. C'est pas grave. C'est quoi ? Je le vis bien. Allons-y. Hop, 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 hop. Bon, ça m'a l'air d'être le tout dernier miroir. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est le chat? C'est le chat, il se gratte. Très bien. Voyons voir. Avant, ouvrons le coffre d'abord. Ça se trouve, c'est peut-être un matos que je m'apprête à crafter, donc ce serait très con qu'on fasse du trop-plein pour rien. Tatiana! Tatiana, attention à mon brushing. J'ai besoin d'un coup de main, inspecteur. Mon brushing, j'ai dit. J'ai du mal à garder ma permanente. Combien de coffres il me reste? 1, 2, 3, 4 et 5. Ça va, c'est honnête. Bon. Très sincèrement, s'il reste que genre 4 coffres, c'est mieux que le premier péto. Parce que The Evil Within 1, si je me souviens bien, les coffres, j'en ai manqué un bon petit paquet. Oula. Olé. Très bien. Épisode extra long, allons-y. Juste parce qu'il est hors de question que je termine là-dessus et qu'on ne botte pas le cul à Théodore. Ou à ces légions de monstres que de toute façon nous sommes d'ores et déjà capables de bolosser. Avec des mouvements aussi stylés qu'harmonieux. Je vous ai laissé une chance de m'aider. Mais comme vous refusez, je n'ai plus le choix. Je vais démanteler ce monde. Je trouverai votre femme et je la tuerai devant votre fille. Qui souffrira comme une damnée entre mes mains quand j'utiliserai son pouvoir. T'es sûr que t'es psychologue? Bah, si je vous tue avant. Et pourquoi les choses seront-elles différentes cette fois? Je reviendrai à la charge tant que l'un de nous ne sera pas mort. Alors venez à moi.
Que le carnage commence. En même temps, ça ferait une super fin d'épisode. Mais enfin... Que voulez-vous ? Le Lennon est faible. Nkakakaka. Et bah comme ça, Lennon, tu as maîtrisé enfin tout mon savoir, tout ce que j'ai pu t'enseigner. Nkakaka. Les arcanes secrètes. Les arcanes secrètes du rechargement. Laisse-moi le voir, Lennon. Montre-moi. Nkakakaka. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Nkakaka. Marche vers la voie de la lumière. Sébastien. Nkakaka. Stelianos. Impeccable. Surtout que maintenant que je maîtrise les arcanes du rechargement rapide. Du feu, une croix, une gigaporte à peine entrouverte et une échelle. Olé, oh là. Vous l'avez trouvé. Parfait. Prouvez-moi votre loyauté. Rapportez-moi le feu. Allô. Vous l'avez trouvé. Parfait. Vous êtes spécial. Vous l'avez toujours été. C'est pour cela que je vous ai fait venir ici. Que je vous permets de créer votre propre espace. Prouvez-moi votre loyauté. Rapportez-moi le noyau. Stefano ? Évidemment. Vous êtes un artiste, Stefano. Et je respecte cela, mais il me faut d'abord la fille. Bon. Donc c'est lui qui était derrière Stefano qui part en sucette et qui fait n'importe quoi. Hop. Yeah. Allons-y. C'est fini, padre. Très bien, si vous désirez goûter au désespoir, alors du désespoir, je vais vous donner. Lily. C'est toi qui as fait ça, papa. Tu ne m'as pas sauvée. Il est temps de faire face à ta thérapie, Lily. Elle est dans ma main droite. Tout va bien, mon ange. Je vais tout réparer. Je t'aime tant, ma Lily. Je t'ai toujours aimé. Et je t'aimerai toujours. Et cette fois, je vais te sauver. Je te le promets. Vous avez évacué une partie de votre culpabilité et de votre douleur. Mais la profondeur de vos traumatismes passés est vaste. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur vous. Je sais ce que vous cachez au plus profond. Votre profond puits de peur me donne toutes les armes. Vous avez vu tant d'horreurs. Et elle hante toujours vos souvenirs. Souvenez-vous où tout cela a commencé. Souvenez-vous de Beacon. Le mal de dents 1. Tout vous revient en mémoire. Disponible sur Fantabob Show. Présenté par Bob Lennon. Je croyais que c'était le gars avec le coffre à la place de la tête. Et non, c'est dégueulasse. Et non, au secours, police. Regarde pas derrière, regarde pas derrière. J'ai regardé derrière, j'aurais jamais dû. Quoi ? Nani ! C'est
c'est freudien ! Ça suffit, vos conneries ! Tech ! Je maîtrise les arcanes de la téléportation. Tu ne l'as pas vu, mais il y avait un bouisson. Pas cette fois. Je n'ai plus besoin d'un bouisson à présent. Je suis le bouisson. Tu penses pouvoir m'arrêter ? Repends-toi devant le feuillage. Repends-toi devant les buissons. De la situation. J'ai toujours su que j'avais une araignée au plafond. Bon, deuxième étape de ma thérapie. Exact. Allons-y. Merde, il revient lui, c'est vrai. C'est vrai que ça n'en finit pas. Oh shit! Ça n'en finit pas avec lui! Combien y en a comme ça? Il y en a beaucoup trop! Tout va bien! De thérapie. Les vraies thérapies enfoirées. Les cubes m'ont toujours fait moins peur que les pyramides de toute façon. Le divin est prêt.
Il ne manque que la princesse! Adieu! Misère, mais pourquoi ça ne marche pas? Est-ce qu'il y a genre une deuxième... deuxième manivelle? Oui, là! J'ai réussi à l'occuper. Ouargh ! Bien joué. Bouffe ça ! Maximale érection ! Elle brûle. Allez, j'ai besoin de toute cette puissance de tuyau de merde. Enfin ! Allez, 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 viens. Viens, Poupoule. Viens, Poupoule, viens, Poupoule, viens. Je te tiens, je te tiens, je te tiens. Adieu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous êtes? On a peur? C'est tout ce que vous avez! Oh! Merci, Jerry! Mira. Elle doit rester en sécurité. Je protégerai Lily de quiconque veut me l'enlever. Tu as réussi. Théodore est mort. Rentrons chez nous. Non ! Non ! Le pouvoir du noyau m'appartient. Jerry, je vois que tu as terminé aussi ta thérapie. Lily est en sécurité maintenant. Où est-elle? Allons la chercher et quittons cet endroit. C'est un divorce. Très bien. Formidable. Bon. Problématique. Mira. Bon. Je n'ai plus qu'un chargeur de pistolet. À peine un chargeur de fusil à pompe. Plusieurs chargeurs de mitraillettes. Voyons voir les ressources. J'ai plus beaucoup de lance-pieux de feu, de prout, d'explosifs, de glace. Faire un glace, c'est classe. Oh, c'est classe. Bon, ça, c'est très dangereux.
Bien. Ce qui se porte le mieux finalement sont mes balles de fusil sniper. Paradoxe. Eh ben écoute. On est plutôt pas mal et on ne sait pas où l'on est et où l'on va. C'est par là qu'on est censé partir. Est-ce que je peux reprendre l'échelle là-bas de l'autre côté ou non, je peux pas descendre. Nulle part où aller. Bon bah écoute, dans le prochain épisode, chers amis, on repartira à la recherche de Mira pour discuter de la garde de l'enfant. Toujours une épreuve difficile. Ah non. Il ne reste presque plus rien de cette ville. Qu'essaies-tu de faire, Mira? Comme d'habitude, absolument n'importe quoi. Je l'aurais parié. Enfin bon. Bon, dans tous les cas, chers amis, on va terminer cet épisode ici. On va arrêter nos délicieuses aventures. Il n'y a plus personne qui puisse m'appeler sur le comlink de toute façon, à part Mira. Ou Lily. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous fais de gros bisous. Pense bleu, le petit pouce bleu, la cloche. N'hésitez pas, tout ce qui va bien sur YouTube pour la beauté de la forme. Et on se dit à la prochaine sur Phantom of Games. Allez, zou. Oh, waouh. Oh, il est guaqué. Oh. 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 Je suis un psychopathe, allez-y.